Bonsoir Alice. Bonsoir, bonsoir les filles, mais j'espère bien, t'aimais bien content de retrouver Azat encore à soir là. Moi aussi. Moi je passe toujours des soirées de ouf avec Alice. Je kiffe, j'adore, je rigole et tout va bien. Alice, on a un problème. Ah. Nous avons aujourd'hui Elisabeth. Elisabeth, elle a 33 ans. Mm-hmm. Et elle se pose la question en fait à savoir pourquoi les mecs ils passent leur soirée devant la télé à regarder le foot alors qu'ils vont pas faire de sport. T'as une explication, toi, à cette logique masculine? D'accord, la question, c'est que Zot, même Zot, ça pas faire de sport, d'accord. Moi, m'y pensais que Zot, y partait pas juste parce que vous n'avez pas envie d'aller. Moi, j'aurais dit que c'est pas un souci de finances. D'argent. Parce qu'il faut quand même y aller au Brésil pour aller regarder un match de foot. Après, m'y pense que Zot, l'est bien comme ça, bon bonhomme, bien à l'aise, Zot case, Zot fauteuil, avec Zot bière, Zot chips, Zot pizza. C'est comme Zot, ils sont avec Zot bonne camarade, en train de jurer tout le long, voilà, Zot, ils sont Zot mieux comme ça. Mais je pense qu'il faut accepter. Même il préfère un bougie gant télé qu'un bougie ça va devant la boutique quand même. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Laisse aller gant sur son match. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est chiant quand même. Combien de temps ça dure le championnat là? 4 semaines, non? 4 semaines, on va être gavé de foot là pendant 4 semaines. Ton bougie reste sur le canapé, garde télé tous les soirs, t'es? Ben oui, mais c'est pour ça que toute bonne diffuse télé là, comment ils appellent ça? Bonne prestataire là, ils donnent à eux le duo, le trio, comme ça chacun les dans son pied. Ah, nous gagne pas, nomme le bon mot, Catherine. Oui, faut pas dire, la ça, boîte ronde ou pas? C'est pour ça, Lydia, le bonne prestataire là. Prestataire pas cher. Et ça m'avait ben donné le duo, le trio et tout ça, de façon à ce que chacun reste dans cette pièce, il partage plus rien. Et bon bonhomme, il doit être un bougle, invente ça. Ah. C'est un bonhomme, l'invente ça. Non, mais là, une pour que le foot à Zot la paix, pour Zot regarde votre match de foot en fait. Ce serait quoi la solution? Non, mais la solution peut-être débranche le banc de box, parce que nous gagne dire que c'est une box. Peut-être débranche à lui, non? Moi, besoin de gaybaise, mon coup. Ah, moi, mais débranche pas la boxe quand on a match football. Moi, non. Pourquoi? Mais laisse ça, alors, vous pouvez avoir une bougresse 4 semaines, Catherine. 4 semaines sur le canapé, devant la télé, partage pas rien, plutôt que débranche le boxe. Et si vous êtes plus maline, si vous êtes bien devant? Ah, en string et tout. Dan, 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 dan. Essaye, on sait jamais. Ah, c'est ça. Essaye, mais pas sûr qu'il marche. Il peut dire, ouais, bon, je reviens dans 90 minutes. Non, mais il y a les 45 minutes et il y a la mi-temps aussi. Pas bouc. Il dure 15 minutes, la mi-temps, fait pitié. Nan, Mouni souffre quand même, oui. Juste pour aller chercher la bière et les chips dans le frigidaire. Exactement, les calculer pour. Tout pitié, ça, c'est le nous, ça fait pitié, nous, la bande Catherine. 4 semaines de foot. Ben oui. Bon, ben, Elisabeth, prends autre courage. Essaye de débrancher la box en attendant. Essaye le striptease. Comme dit Alice, voilà, achète un sous-vêtement bien sexy et puis tente, hein. Et puis si marche pas, prends de courage et voilà, hein. Voilà, c'est ça. Bon courage, Elisabeth. Je vous retrouve. Merci, Alice. Ben merci.